Bonsoir le canon. Voilà. Donc je m'appelle Francis et je suis l'un des chanteurs d'orchestre. Et comme vous le savez tous, on a perdu quelqu'un de très important pour la musique en début de semaine. Et moi, il a bercé un petit peu ma vie musicalement. Il s'appelait Monsieur Charles Aznavour. Et avec mon ami Laurent Bersigny, qui a toujours été à ma droite pour les tours de chant, j'aimerais bien vous interpréter juste un petit coup avant qu'on rentre, un hommage à Charles Aznavour avant qu'on rentre avec le groupe Hortax. Ça s'appelle La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, oui la bohème, et nous mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut de l'escalier. J'ai cherché l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Un hommage s'il vous plaît, la bohème. Et la bohème, on était jeunes, on était fous, oui fous, la bohème. Merci Laurent. Voilà, c'était juste un petit hommage. Merci beaucoup.